Ça remonte à avant que ma mère tombe malade et que nous emménagions ici. J'adorais lire des histoires de pirates. Alors un jour, papa m'a dessiné une carte. J'ai fouillé toute la maison, indice après indice. Ça m'a mené à cet arbre énorme dans le jardin, où papa avait installé un pneu balançoire. Allô, résidence des Smirnov. T'es morte! C'est Black Sad. Non, je t'ai attrapé avec mon lasso! Du calme, les enfants. Devinez quoi? Dunn a été tué pour avoir donné un coup de pied dans la fourmilière. Et puis t'as avoué ton crime! Je suis au téléphone. Il a enquêté pendant des mois sur des sportifs comme Helen Moore et Alstone, pour ne citer qu'eux. Les notes de Dunn ne sont pas des plus claires et je ne sais pas exactement ce qu'il cherchait. Mais je crois que nous avons mis le doigt sur une affaire de corruption à grande échelle. Si vous avez raison, c'est du matériel explosif que vous avez là. Apportez-le-moi au plus vite. Très bien. Mais je dois terminer quelque chose avant. Je tenais à aller au bout de l'une de mes pistes avant de laisser une chance à Smirnov de venir y fourrer sa truffe. D'après son calepin, Dunn avait rencontré Craig Spano au Sam's Diner, 4 jours à peine avant sa mort. Dégage de là, pauvre fiotte! J'aurais quelques questions à te poser. J'ai pas de réponse à te donner, Lopette. Il aurait peut-être été plus simple de lui arracher les informations à coups de poing, mais j'ai préféré me fier à une loi universelle. Tout le monde est coupable de quelque chose. En fait, tu ne sais pas qui je suis, c'est ça? J'en sais rien et je m'en fous. Vas-y, fais-moi rire. Je suis John H. Blackmore, du Bureau de protection des consommateurs. Oh, Il y a drôle de tarés dans le coin, alors j'ai pris l'habitude de me montrer assez ferme. Voilà, voilà. Vous avez déjà mangé? Et je vous invite, cadeau de la maison. Réponds d'abord à mes questions. Bien sûr. Allez-y, c'est vous qui voyez. Je suis à votre disposition, inspecteur, je vous écoute. La peur l'avait rendu particulièrement loquace. Effectivement, Dunn était passé quelques jours auparavant en compagnie d'un chimpanzé qui correspondait à la description de Spano. Apparemment, le bonhomme vivait chez son père. Dunn lui avait recommandé de ne pas y rester un jour de plus et l'avait invité à venir s'installer dans son appartement. Hop, minute! Pourquoi le Bureau de protection des consommateurs s'intéresse à ce chimpanzé? Ce monsieur est mort d'une intoxication alimentaire. Il a même pas mangé? Raison de plus.
Spano avait donc emménagé chez Dunn. J'avais envie de croire que suite à l'intrusion de Randall Lee dans l'appartement, Spano avait regagné son ancienne adresse. Mais quelle adresse exactement ? Si chez les vivants on trouve des quartiers riches et des quartiers pauvres, il en va de même chez les morts. Vers la moitié du 19e siècle, Greenwood est devenue la dernière demeure des citoyens les plus distingués de la ville. Des penseurs, des scientifiques, des écrivains, des inventeurs, des artistes, des hommes d'affaires, des politiciens, des policiers, des voleurs, des proxénètes et des assassins. Ici reposent les corps des esprits sans âme ayant permis à New York de s'élever à de telles hauteurs. Si vous voulez devenir quelqu'un dans la grosse pomme, vous saurez où aller. D'après le livre que j'ai trouvé chez Dunn, les amoureux du baseball viennent déposer des balles sur la tombe de Bradwick afin de lui rendre hommage. Ça rendrait encore mieux avec un crâne entre les battes. N'ai jamais fait confiance aux anges. Lorsqu'ils chutent, ils se transforment en démons. Si ce truc avait été là depuis plus de 30 minutes, il serait couvert de fourmis. «
J'ai toujours été un ardent supporter des New York Warriors. Même si, pour être honnête, ils sont bien loin de leur niveau d'antan. Ouais, c'est sûr. Après le départ de Craig Spano, c'était plus pareil. J'enquête sur une affaire de corruption sportive. Je crois qu'un nombre considérable de sportifs est impliqué, aussi bien des célébrités actuelles que d'anciennes légendes. Joe Dunn a rencontré quelqu'un au diner juste à côté de son gymnase. Il a ensuite emmené cette personne chez lui afin qu'elle ne soit plus obligée de squatter dans le cimetière. Jamais je n'aurais été me douter de l'identité de cette personne. Vous êtes qui, vous ? John Blacksad, détective privé. Comment va Joe ? Une question à la fois. C'est à mon tour. À votre tour. Pour quelle raison avez-vous été voir Jordan ? Parce qu'il me cherchait. Parce qu'il était déjà passé un matin, mais que j'étais trop gêné pour descendre de là. Parce qu'il avait laissé une balle, avec ses initiales près de la pierre tombale. Sam's Diner, demain, 12h30. Parce qu'il savait qu'ils veulent me tuer. Qu'attendait-il de vous ? Et qui cherche à vous tuer ? Une question à la fois. Comment va Joe ? Que faire dans une telle situation ? Lui dire la vérité ? Ne risquait-il pas de perdre la tête ? Pouvais-je prendre un tel risque ? Jordan est mort. Il a été assassiné. Je te l'avais bien dit, Joe. Qu'est-ce qui s'est passé ? Un tueur à gages, qui a lui-même été tué. Et je ne sais pas encore qui l'avait engagé. À mon tour. Qu'est-ce que Dunn attendait de vous ? Il voulait savoir qui ne respecte pas les règles dans le monde du sport. Encore moins que d'habitude. Des vies bousillées. Des carrières sacrifiées à leur sommet. Il voulait savoir s'il m'était arrivé la même chose. Il voulait savoir si la fin de ma carrière et ma disparition avaient quelque chose à voir avec tout ça. Il voulait que je lui confirme qui était derrière tout ça. Le type qui l'a fait tuer. Notre vieil ami le chirurgien. Thank you.
Mitchell serait-il le chirurgien? Se pourrait-il qu'il soit la clé de toute cette histoire? Ce chirurgien, s'agit-il... À mon tour. Je veux savoir pourquoi je devrais vous faire confiance. Parce que je prends mon travail très au sérieux. À mon tour. Ce chirurgien que vous avez mentionné, est-il présent sur cette photo? Aïe! Ah! Ah! Hey, vous y êtes allé un peu fort. Mon oreille et mon amour propre allaient souffrir pendant des jours. Mais au moins, j'avais une nouvelle piste à suivre. Le chirurgien. Ce salopard avait échappé à ma vigilance en se faisant passer pour un médecin. Mais désormais, tous mes sens étaient en alerte. Aussi bien déguisé, aussi bien caché qu'il puisse être, j'allais le retrouver. Donc, si je résume ton histoire, 1. Il y a une affaire de corruption dans laquelle tout un tas de sportifs est impliqué. 2. Notre marionnettiste est un certain Mitchell, un chirurgien qui a fait la guerre avec Don. C'est ça? Toutes les pistes que j'ai pu trouver mènent à Mitchell. Bref, j'en étais où? Au 3, c'est ça? 3. Vu que Don était sur ses traces, Mitchell a engagé un fourmilier pour se débarrasser de lui. Ensuite, étant donné que tu étais toi-même en train de fourrer ton museau là où il faut pas, notre bonhomme s'en est pris à toi. Mais le fourmilier a commis une erreur, et Mitchell l'a buté pour effacer ses traces. Et... 4. La clé de cette histoire est entre les mains d'un ami commun de Don et de Mitchell, Monsieur Craig Spano. Tu lui fais vraiment confiance? Je ne pense pas qu'il m'ait menti. Cependant, il ne connaît peut-être pas toute la vérité. 4. 5. Don a été assassiné 5... Non. 4 jours après avoir accueilli Spano chez lui. Si ça ne fait pas de lui un suspect, franchement... Ça se tient, non? Non, ça tient pas la route. Bah, pourquoi? Je le sens pas. Voyons un peu les différents suspects. T'as dit à Smirnov que même si t'es convaincu de l'innocence de Yel, tu penses qu'il cache quelque chose. Mais... Et O'Leary, alors? 6. O'Leary n'aurait jamais envoyé Randall éliminer Don. Il l'aurait traîné dans son sous-sol, lui aurait fait son petit discours et l'aurait tué de ses propres mains. Non, je connais O'Leary. Il n'aurait pas envoyé un tueur à gage. Il est plutôt du genre à régler ses choses personnellement. Bon, et Cassidy alors? On est à 7, c'est ça? Je pense pouvoir exclure Cassidy de la liste des suspects du meurtre de Don. Il m'a l'air bien trop impulsif pour avoir planifié un crime aussi élaboré. Celui qui a manigancé tout ça savait pertinemment que la théorie du suicide ne tiendrait pas la route. Donc il a manipulé les preuves afin d'incriminer Yel. Cassidy est trop impulsif pour avoir mis au point un plan aussi élaboré. Ouais, t'as raison.
c'est Mitchell qui tire les ficelles. Et tu sais pourquoi? Parce que dans les romans, l'assassin est toujours quelqu'un que le détective connaît depuis le début. Dans un roman anglais, peut-être. Ceux du genre où tous les suspects sont présents dès le début sur le lieu du crime. Mais là, nous avons probablement affaire à un roman américain, dans lequel le détective ne rencontre le coupable qu'à la dernière scène. Quoi? Tu crois qu'on ne sait toujours pas qui tire les ficelles? J'ai pas dit ça. Qu'est-ce que ça a donné avec Ellen Moore? Bah, j'ai rien eu du tout. Pourtant, ça avait plutôt bien commencé. Je lui ai demandé une double interview avec son petit ami, Alstone. Vu que je ne suis pas n'importe qui, ils se sont fait un plaisir d'accepter. Parfait. À présent, passons aux questions. Je vais alterner entre vous deux. Ça vous évitera de trop vous ennuyer. Alors, par qui on commence? Une question pour Hélène. Sortir avec un boxeur, ça peut être dangereux. Ne craignez-vous pas que tous ces coups à la tête ne finissent par détériorer ses capacités intellectuelles? Mon chou, jetez un coup d'œil à mon homme, puis regardez-vous dans le miroir. Croyez-vous vraiment que je sois avec lui pour ses capacités intellectuelles? Hélène! Mais je plaisante. Écrivez ça dans votre article. Rien ne changera jamais mon homme. Son intelligence, son intégrité et sa virilité sont véritablement à toute épreuve. Bon, alors... Une question pour Al. Votre manager est Frank Cassidy, président du syndicat des managers de boxe de New York. D'après lui, seuls les boxeurs représentés par un manager membre du syndicat devraient avoir le droit de participer aux compétitions. Qu'en pensez-vous? Nous ne parlons jamais de politique, mon chou. Les athlètes se doivent de rester à l'écart de toute controverse et de se concentrer uniquement sur leur sport. Tu n'es pas d'accord? Ah ouais, c'est sûr. On continue. Hélène. Pouvez-vous nous révéler combien vous versent Champions pour que vous les représentiez? Oh, mais bien sûr, mon chou. Ils me payent bien plus que ce que je leur aurais demandé. En fait, les Champions sont tellement délicieux que j'aurais pu le faire gratuitement. Cela répond-il à votre question? Non. Allons, allons. Nous savons tous les deux que si. Alors, Al? Vous devez partager votre petit ami avec l'Amérique tout entière. Cela ne vous rend-il pas un peu jaloux? Ouais. Allons, allons. L'Amérique a mon sourire, ma silhouette et mon amour de ma patrie. Tout le reste, et je dis bien tout le reste, appartient à Al. Pauvre mon ange. Ouais. Ok, encore une petite question, et je... Oh. Al, chérie, je te laisse répondre. Je dois aller dire bonjour à un admirateur. Je reviens tout de suite, monsieur Pulitzer. Attends. Elle a soudainement arrêté de sourire lorsque cet admirateur s'est pointé. Ouais. Tu pourrais me le décrire? Je pourrais même te le montrer dès que j'aurai développé ces photos. Ah, moi aussi, ça m'a paru bizarre. Donc, tout en continuant à interviewer Stone, je me suis arrangé pour prendre discrètement des photos de Moore et de son mystérieux admirateur. Bon, où en étions-nous? Dans tout juste 12 jours, un challenger va tenter de vous ravir votre ceinture. Vous sentez-vous d'attaque pour votre combat contre Yale? Eh ben, il paraîtrait que les chances seraient en ma faveur, mais aucun adversaire n'est à prendre à la légère. Et puis bon, Bobby Yale est peut-être jeune et il traverse une période difficile.
Mais il a enchaîné un nombre impressionnant de victoires, alors je ferai de mon mieux. Votre manager est Frank Cassidy, président du syndicat des managers de boxe de New York. D'après lui, seuls les boxeurs représentés par un manager membre du syndicat devraient avoir le droit de participer aux compétitions. Qu'en pensez-vous ? Cassidy est un super manager, ça c'est clair. J'ai rien à redire de ce côté. Et son travail en tant que président du syndicat est tout à fait remarquable. Mais, je sais pas... Sur ce coup, peut-être que Joe Dunn avait raison. Attendez, non. Pourriez-vous éviter de garder la fin de ma réponse ? Je serai muet comme une tombe. Bon, prenons cette photo. Pourriez-vous regarder vers le ciel et lever les bras, comme pour célébrer une victoire ? Comme ça ? Exactement ! Ah, zut ! Attendez, j'ai bougé ! Restez comme ça, j'en prends une autre. Oh, mais qu'est-ce que j'ai aujourd'hui ? Bougez surtout pas, s'il vous plaît ! Voilà, c'est bon. On reprend ? Vous devez partager votre petit ami avec l'Amérique tout entière. Cela ne vous rend-il pas un peu jaloux ? J'irai pas jusqu'à parler de jalousie. Mais je sais qu'une personne aussi populaire et aussi honnête peut facilement... faire des envieux. Il y a des tas de gens qui seraient prêts à n'importe quoi pour mettre un terme à sa carrière. C'est pas toujours facile à gérer. Je vais en prendre une autre. Ok ? Tournez-vous et montrez-moi ces biceps de derrière. Comme ça ? Oh, c'est parfait ! Mais je fais n'importe quoi. Bougez pas, je la refais. J'ai vraiment besoin de vacances, moi. On ne bouge pas. Eh ben dis donc, enfin, je crois qu'on est bon. Attends, tu veux dire que les photos sont enfin développées, ou c'est ce que tu as dit à Stone ? Ah, les deux ! Regarde. Regarde sa main. Est-il en train de prendre quelque chose dans le sac de Moore, ou bien d'y mettre quelque chose ? C'est qui ce type ? Ce que je sais, c'est que c'est sûrement pas un admirateur. T'aurais dû voir sa tête quand elle l'a vu débarquer. J'ai déjà vu cette boîte d'allumettes. Minute, c'est lui. Qui ça ? Mitchell, le chirurgien. Ah bon ? Ah ! On le tient ! Pas encore. Ah ouais. Faudrait encore savoir où le trouver. Ah, eh ben, tu m'écoutes ? On doit continuer à examiner ces photos. Il nous faut un indice qui nous conduira à Mitchell. Oh ! Ah, ben tu vois, c'est bien ce que je disais.
Les bagarres, ce n'est pas ce qu'il y a de pire dans ce boulot. Alors oui, il peut arriver qu'on se fasse arranger le portrait. Mais on peut toujours essayer de se défendre. Mais quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture, il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Les crampes dans les jambes, le dos et la nuque raidis, le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose. C'est fastidieux. Des rasoirs. Les habitués s'étaient enfin décidés à évacuer les bars. Le bar était sur le point de fermer. Et je n'avais vu Mitchell ni entrer, ni sortir. Je n'avais plus le choix. Je vois que vous avez accepté mon invitation. Et vous avez fait preuve de jugeote. Vous avez attendu que mes habitués allergiques aux poilus soient rentrés chez eux. Ni un bon bourbon. À votre santé, monsieur. C'était comment, déjà? À ce que je sache, la Iguana avait toujours été un terrain neutre. Polly jouait au poker avec Cassidy, mais son bar servait aussi de point de dépôt pour les paris gérés par O'Leary. Y avait-il un réel intérêt à continuer de faire semblant? Ou bien était-il trop dangereux de cesser de le faire? Blackmore. John H. Blackmore. J'en étais sûr, même si votre accent texan était plutôt convaincant. Disons que je représente certains lobbies sportifs dont je préférerais éviter de parler. Je comprends. Enchanté, monsieur Blackmore. Vous êtes doué. C'est clairement plus votre truc que le poker. Ça, c'est quand même plus facile. Pas besoin de tricher. Vous avez à peine scié quand Cassidy a décidé de donner une bonne leçon à l'autre emplumé. Que voulez-vous que je vous dise? Entre nous, c'était loin d'être mon premier bal. Des barbiers psychopathes, on en a tous un sous la main. Personne n'est parfait. Dites-moi, juste entre nous, qu'est-ce que vous attendez vraiment de Cassidy? J'ai beau chercher, vos motivations m'échappent. Vous connaissez le principe des dénicheurs? Ces types qui vont assister au match des ligues mineures dans l'espoir d'y découvrir de jeunes talents? C'est un peu ce que j'étais venu faire dans votre partie de poker. Mais je n'en dirai pas plus pour l'instant. Vous en faites pas. C'était juste de la curiosité. Et pour ce qui est de moi? Qu'attendez-vous de moi? Personne ne vient au La Iguana juste pour boire et jouer au billard. Je suis à la recherche de l'un de vos habitués. Le docteur Angus Mitchell. Pourquoi donc? Nous avons combattu ensemble pendant la guerre. J'aimerais avoir de ses nouvelles. Ouais. Eh ben écoutez, je vais en parler à Mitchell. Repassez donc demain soir. Vous ne comprenez pas. Je dois lui parler, sinon... Sinon quoi? Je ne pense pas que M. Cassidy apprécierait de découvrir que son camarade de poker joue un tel rôle dans les affaires de M. O'Leary. Vous voyez ce que je veux dire? Quel bel enfoiré. C'est d'accord. Laissez-moi votre numéro et je vous appellerai quand Mitchell se pointera. Non. Vous allez l'appeler tout de suite
et lui transmettre un message. Quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture, il n'y a vraiment pas d'échappatoire. Les crampes dans les jambes, le dos et la nuque raidis, le corps tout entier qui vous supplie de faire autre chose. C'est fastidieux et rasoir. On en arrive à se perdre dans une spirale infernale de ses propres pensées. Comme quand on passe la nuit à faire le guet dans une voiture. Le propriétaire du La Iguana était censé dire à Mitchell qu'un certain Fourmilier était encore en vie. Et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne le balance. Avec un peu de chance, la chose allait le rendre suffisamment nerveux pour le pousser à l'épreuve. Il ne me resterait plus alors qu'à le suivre. Fais pas, ça va aller, Jill. Bon, toi tu montes la garde. Si le chat se pointe, tu sais quoi faire. Je reviens dans une heure. Pourrais-je le prendre par surprise depuis cet angle? Ça risque d'être compliqué pour l'atteindre.
J'ai déjà refait le portrait d'un type à coup d'extincteur, mais ces trucs sont vraiment trop lourds pour pouvoir refaire le coup au type qui garde la porte. Que peut bien cacher cet endroit ? Un piège à rêve. Il est censé protéger les enfants pendant la nuit en capturant les cauchemars dans sa toile. Si je ne me trompe pas, il s'agit de bâtons d'encens utilisés lors de rituels de purification. C'est peut-être un totem Ojibwa. Du coup, l'animal du haut doit être une grue.
D'après ceci, l'entrepôt appartenait avant à une société d'import canadienne. Vais-je avoir besoin d'aide? Qui pourrais-je appeler? Smirnov. Quai 36, dans une heure. Black Sun? Depuis l'entrée sur Montgomery, c'est le sixième entrepôt face à la mer. Qu'est-ce qui se passe? Amenez la cavalerie. N'essaie même pas de crier. Je parlerai pas non plus. On dirait une pointe de flèche. Porte à croire que Jill est un Amérindien, et je suis quasiment sûr que la femme sur la photo est sa mère. Tu sais, quoi que tu puisses raconter, il n'y a qu'une seule personne qui te croira toujours. Ta mère. Ma mère n'a jamais cessé de croire en moi. Pourtant, je lui ai donné bien assez de raisons de le faire quand j'étais gamin. J'ai fait n'importe quoi pendant toute ma scolarité. J'arrêtais pas de sécher les cours. Je ne sais pas comment ma mère a fait pour que je puisse continuer ma scolarité jusqu'à l'université. Et là encore, je ne lui ai pas vraiment donné de raison de croire en moi. Je me suis fait de nouveaux amis. Le genre d'amis qui trouve toujours moyen de vous convaincre de faire des choses dont aucune mère ne serait fière. Après, il y a eu Pearl Harbor.
J'ai été mobilisé et envoyé en Europe. Je n'ai jamais été capable d'obéir aux ordres. Ils m'ont renvoyé à la maison. Décharge avec déshonneur. Le retour à la vie civile n'a rien arrangé. J'ai été traité comme un paria, un vétéran qui n'avait plus sa place dans la société. Pourtant, ma mère n'a jamais cessé de... Moi aussi, j'ai fait la guerre. C'est comme ça que j'ai rencontré Mitchell. Ils se sont servis de moi comme de tant d'autres de mon peuple. Et après, ils nous ont laissés à l'écart. La première fois que Mitchell m'a proposé de faire ça, je lui ai dit d'aller se faire foutre. J'espérais parvenir à refaire ma vie. Mais j'ai fini par revenir vers lui, en rampant. J'aime pas ce qu'il m'oblige à faire. Et je l'aime pas, lui. J'aime pas non plus ce sale rat, mais celui que je déteste par-dessus tout, c'est moi-même. J'aime pas ce que j'ai fait à la guerre, et j'aime pas ce que je fais en ce moment. Tu sais ce que c'est que de buter un ami pour le bien d'une mission ? Ah. Mais ma mère, elle a toujours cru que j'arriverais à me racheter et à prendre un nouveau départ. Il est temps que je me consacre à ça. Numéro 3.
Une liste de noms associés à des substances chimiques. Sujet Craig Spano, traitement jour zéro. Le sujet est un joueur de baseball qui a beaucoup perdu en vitesse, en puissance et en agilité en raison du processus de vieillissement normal. Le patient se plaint de douleurs intenses au niveau de l'omoplate droite, probablement due à une ancienne blessure. Malheureusement, en raison de la nature de cette blessure, la chirurgie n'est pas envisageable. L'objectif de notre approche médicale sera donc double. Soulager la douleur engendrée par l'ancienne blessure afin que le sujet puisse jouer normalement et aider le patient à retrouver la condition physique perdue en raison du processus de vieillissement afin de lui permettre de pratiquer son sport au plus haut niveau. À cette fin, il va se voir administrer une forte dose quotidienne d'opioïdes couplé avec traitement jour 128. Le traitement a pour l'instant rencontré un franc succès dans tous les domaines. Le patient ne ressent plus aucune douleur lors de l'utilisation de son bras droit, ce qui lui permet de lancer la balle sans aucune crainte. De plus, les performances athlétiques du patient ont non seulement retrouvé un niveau équivalent à celui atteint au sommet de sa carrière, mais elles vont même jusqu'à dépasser toutes les attentes, puisque la précision et la concentration du sujet ont également été améliorées. Pour l'instant, le seul effet secondaire semble être une légère euphorie ressentie 3 heures après l'injection, mais qui se dissipe environ 4 heures plus tard, en plongeant le patient au creux d'une sorte de vallée émotionnelle, le tout étant accompagné d'accès de tremblements. Traitement jour 341. La santé du patient s'est visiblement détériorée. Les moments d'euphorie et de capacité physique améliorée sont devenus nettement plus courts, tandis que les périodes de dépression et de faiblesse physique semblent s'allonger, accompagnées d'accès de tremblements et de tachycardie. Même si nous avons pu atteindre tous les objectifs thérapeutiques, nous allons mettre un terme au traitement afin d'éviter d'engendrer des lésions physiques et psychologiques irréparables chez le patient. Sujet Brunhilda Grün, traitement jour 1514.
La capacité à s'exprimer de la patiente continue de diminuer. Elle n'arrive désormais plus qu'à prononcer de temps en temps un mot en allemand. On dirait presque qu'elle a remonté le temps. Pas seulement en raison du déclin de ses fonctions cognitives, mais également parce qu'elle semble avoir oublié tout ce qu'elle avait appris depuis son arrivée en Amérique. La dégénérescence tissulaire se poursuit. Pourtant, peut-être en raison de la réduction drastique du dosage de benzylprodine et de l'augmentation de celui de propitérazine, j'ai pu observer une décélération de 3% de la dite dégénérescence. De plus, et c'est peut-être la découverte la plus prometteuse jusqu'ici, le sujet semble avoir récupéré une fraction de ses fonctions discursives. Ce n'est pas grand-chose, mais pourtant, nous sommes sur la bonne piste. Tout espoir n'est pas encore perdu. N'aie pas peur, petite. Je voulais pas te faire peur, d'accord? Bitte schön, pas taper! Hey! Bitte schön, pas taper! Il était une fois. Il était une fois une intrépide pilote de fusée qui s'appelait Brunhilda. Bonjour, je m'appelle Brunhilda et je suis très heureuse, dit Brunhilda. Et donc, Brunhilda, qui avait un très joli prénom, vraiment très joli, un vraiment très joli prénom, rencontra un jour une personne très spéciale. Oh, qui c'était? Un chat qui venait de l'espace et qui s'appelait John. Je suis un chat qui vient de l'espace et je m'appelle John. Salut, John le chat. J'aime beaucoup les chats de l'espace. Bonjour, Brunhilda. Grâce à ma grande sagesse de chat de l'espace, je vais pouvoir t'aider. À sortir de ta cage afin que... Nein, trop triste. Mais enfin, tu dis des bêtises, John le chat. Alors, que vas-tu m'aider à faire? À préparer de délicieuses tartes. Ouais! J'adore les tartes. C'est quoi ta préférée? Oh, en voilà une question bien difficile. Oh. Mais, John le chat, c'est la question la plus facile du monde. Je vais te montrer comme c'est facile. Moi, ma tarte préférée, c'est... la tarte aux myrtilles. Wow, Brunhilda. C'est exactement ce que j'allais dire. Bernd. Bernd. John, Brunhilda, Freunde. Du jouer, ich regarde. Ok. Bonjour, Bernd. Dis donc, pourquoi tu portes un masque?
Vile. Oh, casse. Nous devrions peut-être sortir d'ici. Qu'est-ce que tu en penses, Bernd? Et toi, qu'est-ce que tu en penses, Brunhilda? Ne penses-tu pas que... Mitchell arrondit ses fins de mois en revendant des substances qui améliorent les performances des sportifs. Dans le plan de Mitchell, ce n'est pas l'aspect illégal ou malhonnête. C'est surtout qu'il se fiche complètement de bousiller la santé des sportifs. Jill, vous savez que vous n'avez pas le droit de descendre. Vous savez que vous n'avez pas le droit de... Salopard, je devrais vous buter sur le ch... Je ne comprends... Vous ne comprenez pas? Je sais que vous testez vos foutus produits sur cette pauvre gamine. Brunhilda? Non, c'est ma fille. Elle est née avec une maladie dégénérative. Une maladie rare, assez proche du syndrome d'Angelman. Seuls 4 autres cas ont été recensés. Et aucun des sujets n'a dépassé l'âge de 5 ans. Mais je n'ai pas pu baisser les bras. J'ai tout essayé. Et j'ai fini par tomber sur quelque chose. Cela ne l'a pas beaucoup aidé, mais... Bref, ce même traitement utilisé sur des sujets sains semblait capable d'augmenter leur endurance ou leurs réflexes. Il semblait également altérer leur seuil de douleur. Le Reich a fini, je ne sais comment, par entendre parler de mes expériences
Et il a cherché à me recruter pour créer des super soldats. Oui, ce Reich-là, c'était à Berlin à la fin des années 30. Je me suis enfui avec Brunhilda et je me suis réfugié dans votre pays. Mais l'armée américaine avait également entendu des rumeurs à propos de mes travaux. Ah, j'ai passé toute la guerre à tester de nouvelles substances sur les soldats. Certaines se sont avérées particulièrement efficaces, il faut le reconnaître. À la fin de la guerre, mes recherches ont été mises au placard. On m'a interdit l'accès aux substances chimiques. Et l'état de Brunhilda a recommencé à se détériorer. C'est alors que Dieu a placé Angus Mitchell sur ma route. Je l'avais déjà croisé pendant la guerre, et il n'a pas tardé à me faire une proposition. Je devais fabriquer des substances pour les sportifs, que lui se chargerait de leur revendre. Ma rémunération me permettrait de payer le traitement de Brunhilda. Que voulez-vous que je vous dise de plus ? J'ai remarqué que le nom de Yale apparaît en double dans la liste des athlètes que vous traitez. Mais l'une des occurrences est barrée. Pourquoi ? Je n'en sais rien. Il y a quelques mois de cela, Mitchell m'a demandé de préparer des substances adaptées à son profil. Mais la semaine dernière, il m'a demandé d'arrêter. Et puis, deux jours après, il m'a redemandé d'en fabriquer. Toutes ces pilules. Qu'est-ce qu'il regarde ? Ne vous en faites pas, Josh. Vous étiez obligé de raconter la vérité pour protéger Brunhilda. J'en aurais fait autant. Terminez d'emballer vos affaires et arrêtez de vous torturer l'esprit. Merci, Angus. Ce ne sera pas long. Oh, ma chérie. Tu aimes bien habiter ici. Oui, moi aussi. À cause de ce vilain matou, nous allons devoir partir. Eh oui, ma puce. Nous aurons une nouvelle maison. Encore plus jolie. Tu y seras heureuse. Maintenant, va voir ton papa. Va lui faire un bisou. Voilà. Vous savez, je suis désolé, Josh, mais on aura essayé, pas vrai ? Hein ? Quoi ? Que voulez-vous dire, Angus ? J'aurais préféré ne pas devoir en arriver là. Angus, qu'est-ce que ça veut dire ? Adieu, Josh. Oh, oh non ! Oh, 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 oh. Content de toi, foutu salopard. C'était des gens bien. J'espère que ça t'a fait du bien. J'aime te voir heureux. Vous êtes bien loin d'avoir tout compris.
Le masque me donnerait probablement un peu plus de temps. La question était... combien ? Non.
Ne soyez pas trop dur avec vous-même. Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Il va s'en sortir ? Les médecins pensent que oui. Ils l'ont trouvé près de la porte du sous-sol, inconscient. Hein ? Est-il que Jill ait bloqué la porte du sous-sol de l'extérieur pour tuer Mitchell ? Vraiment ? C'est très sérieux comme accusation. Vous êtes vraiment sûr de vous, ou bien s'agit-il encore de l'une de vos théories ? J'en suis certain. Jill me l'a avoué lui-même. Mitchell l'a pratiquement forcé à travailler pour lui. Et j'ai de bonnes raisons de croire que Jill a la gâchette un peu trop facile. En tout cas, je doute qu'il ait vraiment été inconscient lorsqu'il a été retrouvé. Il a dû faire semblant. Pensez-vous que Jill ait pu être impliquée dans les précédents meurtres ? Et si c'était Jill qui avait tué son partenaire Randall Lee sur ordre de Mitchell ? Une autre sérieuse accusation. Vous en êtes sûr ? Oui, tout pointe en ce sens, y compris mon instinct. Attendez, Mitchell ne pourrait-il pas être l'assassin de Randall Lee ? Mitchell pourrait-il à la fois rater deux tirs à bout portant et toucher un type pile entre les deux yeux depuis l'autre côté de la rue ? Non. Mitchell n'est pas le tireur d'élite qui a éliminé Randall Lee. Oui, je suppose que vous avez raison. Mais nous ne savons toujours pas ce qui a causé la mort de Craig Spano. Cela ne fait aucun doute. Spano a pris des drogues du labo et ça lui a été fatal. Je vois. Mais dans ce cas, combien d'autres athlètes sont actuellement en danger ? Et surtout, qui sont-ils ? Bobby Yale est-il impliqué ? Je n'ai pas pu tout voir, mais notez déjà ses noms. Peter Lowe, Xavier James, Ellen Moore, Bill Goldman, Miles Benton, Alexander Wood, Jacob Ziegler et, effectivement, Bobby Yale. Merci. Pour une fois, nous devrions sauver quelques vies. Ça va nous changer, pas vrai ? En tout cas, merci pour le coup de fil. Je commençais à croire que vous ne feriez plus jamais confiance à la police. Je n'ai pas confiance en la police. En vous, si. John ! Surprise ! T'aurais pu prévenir ton vieux copain, non ? Ou est-ce que ce genre de truc ne fonctionne que quand c'est moi qui te refile un tuyau ? Oh. Dégagez-le-moi d'ici. Mais...
Oh, mais... Ah. Bon. Finissons-en avec ça. Après la guerre, Mitchell a convaincu le docteur Grün d'utiliser ses drogues pour se faire soldat sur des sportifs de haut niveau. Mais Don a découvert ce que tramait Mitchell. Quand Mitchell s'est aperçu que Don était sur ses traces, il a ordonné à Randall Lee de le tuer, tout en mettant ça sur le dos de Yen. Il a ensuite envoyé Randall fouiller la maison et le gymnase de Don, en quête de preuves que ce dernier aurait pu détenir. La pauvre femme de ménage s'est trouvée là au mauvais moment. Lorsque vous avez commencé à fourrer votre nez dans cette affaire, il a tenté de vous intimider en vous envoyant ses gros bras. Mais comme ça n'a pas marché, il a demandé à Randall Lee de vous régler votre compte sur le toit du gymnase. Mais Randall a raté son coup et s'est fait capturer. Mitchell a donc ordonné à Jill de lui coller une balle dans la tête, ce qui a fortement contrarié Jill. Vous avez continué de vous rapprocher de Mitchell, jusqu'à découvrir son quartier général. Lorsque Mitchell s'est rendu compte qu'il était coincé, il a cherché à tout faire disparaître dans les flammes. Le labo, le docteur Grün et sa fille. Mais Jill a vu là une occasion de se venger de Mitchell. Et il a bloqué la seule sortie, afin que ce dernier périsse également dans l'incendie. Vous pensez que tout y est ? À peu près. Mais ne vous en faites pas. Je vais me charger de ce qui reste. Merci pour tout. Dans les romans et les films noirs, résoudre une affaire n'est jamais synonyme de fin heureuse. Le détective finit toujours plongé dans une profonde amertume. Troublé par le sentiment qu'avant qu'il n'accepte cette affaire, le monde était finalement bien meilleur. Et que lui-même était bien meilleur. Allez, crachez le morceau. Il m'arrive parfois de laisser mon personnage prendre le dessus. Qu'est-ce que vous me voulez ? J'ai raconté à Stone tout ce que je savais. Qu'il avait l'intention de se coucher face à Yale, que s'il ne le faisait pas, O'Leary allait ruiner la carrière de Helen Moore, et que Moore était foutu de toute façon, puisque l'Amérique était sur le point de découvrir que sa petite chouchoute était dopée jusqu'au trognon. Je vous crois pas. C'est n'importe quoi. Qui vous a envoyé ? Aujourd'hui, personne. Et même si je vous croyais, qu'est-ce que ça changerait ? Si je fais pas ça pour elle, comment pourrais-je encore la regarder dans les yeux ? Comment pourrions-nous rester ensemble ? Parce que vous croyez qu'elle restera avec vous quand vous aurez perdu votre titre et qu'elle sera accusée de dopage ? Au moins, je saurais que j'aurais essayé. Le monde d'O'Leary est sur le point de disparaître. À présent, c'est la télévision qui tire les ficelles. Les scandales et les combats arrangés ne peuvent que nuire à la crédibilité des sports et aux audiences des chaînes. Si vous vous couchez et que cela finit par se savoir, vous perdrez bien plus qu'un combat. Tout n'est qu'une question de professionnalisme pour vous. Faites comme bon vous semble, mais vous pouvez me croire. Votre manager est un assassin. Coupez les ponts au plus vite. Black Sad, je vais y réfléchir. Yale me confirma que Dunn avait découvert que Mitchell lui donnait des produits.
et que c'était la raison de leur dispute le soir de sa mort. En fait, j'étais clean à ce moment-là. J'avais rien pris depuis des jours. Je voulais pas tomber là-dedans. Je préférais suivre Joe. Mais il a tout découvert. Il a pas voulu me croire lorsque je lui ai dit que j'avais rien à voir avec tout ça. Mais vous en avez quand même repris. Seulement après sa mort. Il me fallait un truc pour encaisser. Et sous l'effet des drogues, vous avez fait une crise de panique. Ouais. Mais je suis resté clean depuis. Mitchell vous a donné des pilules lorsqu'il est passé à l'hôpital. Ce qui explique votre récupération miraculeuse. Vous avez l'intention d'en reprendre avant le match ? Ne faites pas ça, Bobby. Quelqu'un doit sauver le gymnase. Je dois bien ça à Joe. Et à Sonia. Et à ma tante Marie. Votre père n'aurait jamais fait une chose pareille. Hein ? J'ai alors raconté à Yael tout ce que je savais à propos de la mort de son père. Je ne sais pas trop comment il a pris la chose. Tout comme je ne sais pas s'il y a lieu de lier tout ceci à la mystérieuse noyade de Desmond O'Leary, qui fut retrouvée flottant dans l'Hudson, non loin du Quai 27, quelques semaines plus tard. Je suis désolé pour votre tante Marie. C'était quelqu'un de bien. Ni Stone ni Yael n'avaient pu m'aider à me débarrasser de l'amertume que je ressentais. J'avais besoin d'un ami. Il était profondément vexé que je ne lui ai pas donné de tuyau, mais tout fut oublié après que je lui ai payé un milkshake. Après cet ouragan de corruption et de meurtre, seule l'amitié était en mesure de me réconcilier avec le monde. Elle seule était en mesure de me redonner foi en l'humanité. Elle seule était en mesure de purifier mon âme. Elle seule, avec l'argent. Dans tout roman noir qui se respecte, Yael et Stone auraient été punis pour avoir enfant. Et justice aurait été rendue à Sonia, la victime. Mais là, c'était le monde réel. En tant que détective qui avait résolu l'affaire, il ne me restait plus qu'à toucher mon chèque et à aller voir ailleurs. Un plaisir, Monsieur Blacksad. Monsieur Thorpe arrivera sous peu. Je vous en prie, prenez un siège pour patienter. Bon, eh bien, je vais patienter. Il sera là dans une minute. Asseyez-vous, je vous prie. Quels que soient les obstacles que le destin avait pu dresser en travers de sa route, il avait toujours réussi à retomber sur ses pattes. Alors qu'il était une star montante, la guerre avait mis un terme à sa carrière. Il s'était donc arrangé pour devenir un héros. Après la guerre, il n'avait pas fini comme Jill ou moi. Il était devenu un grand athlète, une véritable légende du football américain. Lorsqu'un accident l'avait cloué dans un fauteuil roulant, il avait renoué avec le succès dans la publicité. Thank you.
Non, c'est impossible. Tim Thorpe pourrait-il être impliqué dans l'opération de Mitchell? Monsieur Blacksad, Monsieur Thorpe sera plus en retard que prévu, mais il insiste pour vous voir, si cela ne vous dérange pas. Pas de problème. Tant que vous restez avec moi pour m'aider à chasser l'ennui. Eh bien, cela n'entre pas vraiment dans le cadre de mes fonctions, mais... Vous a-t-il dit combien de temps il va lui falloir pour arriver? Ils viennent de sortir du Delanos, alors je dirais dans les 30 minutes. Tout dépend du trafic. Encore désolé pour le dérangement. Depuis combien de temps travaillez-vous pour Tim Thorpe? Cela fait presque 3 ans, et j'espère que cela durera. L'intuition est bonne, se pourrait-il que Thorpe ait noté un rendez-vous avec Mitchell dans son agenda? S'est-il produit un événement un peu bizarre à l'agence ces derniers temps? Pas pendant mes heures. Je crois que la chose la plus curieuse qu'il m'ait été donné de voir, c'était un détective à l'air désabusé qui posait plein de questions. Oh, maintenant que j'y pense, j'ai un petit problème. Pour pouvoir déterminer précisément combien me doit M. Thorpe, j'aurais besoin de savoir quel jour j'ai commencé à travailler sur l'affaire. Mais j'ai oublié. Vous n'auriez pas noté ça quelque part, à tout hasard? Ce n'était clairement pas pendant mes heures. Je m'en souviendrai. Voyons voir...
Don est passé ici 2 jours avant sa mort. Pourquoi Torp ne m'en a-t-il pas parlé ? Je suis désolée, mais votre nom n'est pas mentionné. Attendez, je me souviens d'un truc. Le jour où je suis venu, j'ai croisé Jordan qui s'en allait. Eh bien, non. Votre nom ne figure pas dans l'agenda. Mais bon, il est possible que j'ai omis de le noter. Je me souviens que Monsieur Dunn, qui est si aimable d'habitude, est parti furieux de son rendez-vous avec Monsieur Thorpe. Il a claqué la porte en sortant. Bon, cette fois c'est clair. Je dois jeter un coup d'œil dans le bureau de Thorpe. Et il n'a même pas dit au revoir. Oui, il n'avait pas l'air de bonne humeur, c'était bien ce jour-là. Vous ne vous souvenez pas de moi parce que lorsque je l'ai vu dans un tel état, je l'ai suivi. Et en fait, je ne suis jamais entré. Ah ! Eh bien voilà, tout s'explique. Oui. Bon, étant donné qu'il va falloir encore un peu de temps à Monsieur Thorpe pour arriver, je vais me promener un peu. Il faut bouger pour garder la forme. Allez, Thorpe, dites-moi que vous vous êtes fait installer une porte secondaire qui donne sur votre bureau. Devrais-je jouer encore une fois mon Joker Smirnoff ? Plutôt perplexe, Smirnoff m'a conseillé d'ouvrir l'œil et de le rappeler si je tombais sur quelque chose de plus concret. Il en a profité pour m'annoncer que Jill s'était décidée à parler. Curieusement, Jill a nié avoir bloqué la porte du sous-sol. Il a raconté que la porte du camion s'était ouverte, mais que quelqu'un l'avait assommé dès qu'il avait tenté d'en sortir. Il n'a repris connaissance que lorsque la police l'a retrouvé près de la porte du sous-sol. Apparemment, la même personne qui a bloqué la porte a dû le porter jusque-là. Si Weekly avait été avec moi, j'aurais été obligé de lui attacher les mains dans le dos. Mais l'une de ses forces, la précision de ses lancers. J'ai hérité du surnom bras d'acier. Je pouvais lancer le ballon à plus de 90 km. Pourtant, la précision était l'une de mes vertus. Le ballon allait toujours là où je voulais. Mon entraîneur, le grand Geoffrey Sachs, me menaçait toujours. J'ai donc travaillé dur. Je me suis engagé sur le champ. Les forces, je suis devenu canonnier d'un chef. Après avoir perdu un camarade au combat et faillant perdre une blessure sérieuse, je suis devenu tireur d'élite. Et je sais que je ne devrais pas dire ça, mais j'étais certainement l'un des meilleurs. Et tout cela, je le dois à ma précision. Non, en vérité, tout cela, je le dois à Geoffrey Sachs. Je me demande combien d'Américains ce grand homme a sauvé grâce à mon bras. Visiblement très ému par ces derniers mots, Tim Thorpe m'a ensuite réclamé de faire une pause. Il y a quelque chose d'impressionnant de constater qu'un athlète et un soldat, un homme dont la précision et le talent lui ont valu une Medal of Honor, ainsi que le surnom du chirurgien parmi ses compagnons d'armes, c'est pas possible. Ça pourrait n'être qu'une coïncidence, mais... non. Pourquoi étais-je surpris ?
Dans toute enquête, il arrive toujours un moment où toutes les hypothèses tombent à l'eau. Il faut alors revenir en arrière pour retrouver la bonne direction. Ça fait un peu bizarre de voir un bureau sans fauteuil, jusqu'à ce qu'on se souvienne que le propriétaire du bureau se déplace toujours avec le sien. Je ferais mieux d'éviter de l'utiliser. Il doit être relié au standard de l'accueil. Oh merde. Évidemment. Et si, grâce aux substances du docteur Grün, Torp parvenait à remarcher. Bien sûr, ce n'était pas Mitchell ni Jill. C'est Torp qui a tiré sur Randall à l'hôpital. Thank you.
C'est Torp qui dirigeait toute cette opération. Tout colle. Pourtant, je peux déjà entendre Smirnov me sortir que je n'ai pas de preuves suffisamment concluantes. Et si je lui tendais un piège? Mais comment? Et si je posais l'arme de Torp là-haut, une fois coincé, il serait obligé de se lever pour la prendre. Le spectacle était sur le point de commencer. Il ne me manquait plus qu'un public et un peu de patience. Sais-tu point à qui tu as affaire? À une andouille. Mutinerie! Est-ce que tu veux finir sur la planche? Oh, Blacksad, je suis vraiment désolé de vous avoir fait attendre. John! J'ai hélas été victime d'une mutinerie et... Arrête! Vous vous rendez compte de ce que je dois subir? Timonière! Cap sur ma cabine, droit devant. À vos ordres, capitaine. Venez donc, Blacksad. Julie, je vous en prie, ne laissez personne nous déranger. Ma chérie, tu veux bien attendre dans la salle de réunion? Mais... Ça ne prendra qu'une minute. Tu as déjà assez souffert. Ok. Tu n'as qu'à en profiter pour réfléchir à l'endroit où tu voudrais dîner ce soir, d'accord? Monsieur Blacksad, je ne vais pas vous payer pour avoir résolu cette affaire.
Eh bien, moi qui vous prenais pour un homme qui tient ses paroles. Non, ce n'est pas ça. Vous toucherez jusqu'aux dernières scènes de ce que nous avions convenu. Et bien plus. Mais pas parce que vous avez résolu cette affaire. Vous les toucherez pour elle. Il y a à peine 2 jours de cela, elle voulait tout arrêter. Laisser tomber ses études, revendre le gymnase. Bien trop de blessures. Mais vous, par votre exceptionnel travail, vous avez réussi à la soigner. Bon, peut-être pas totalement. Il faut du temps pour surmonter ce genre de choses. Mais au moins, grâce à vous, Sonia a de nouveau envie d'être heureuse. Elle a retrouvé l'espoir. Je vais l'aider à faire du Dunn's Gym la meilleure salle de boxe de toute la ville. Qui l'eût cru ? J'en suis fort heureux pour elle. Elle a traversé tant de choses. Pour être honnête, je n'étais pas sûr qu'elle arriverait à s'en sortir. Nous en sommes encore loin. Mais avec le temps, elle y arrivera. Bref, revenons-en à l'affaire. Tous ces gens que vous avez affrontés, Jill, le docteur allemand, et puis Mitchell, jamais je n'aurais été le soupçonner. Vous ont-ils dit quelque chose? Pourquoi ont-ils fait cela? Ont-ils mentionné des complices? Quelqu'un a bien été mentionné. Un certain chirurgien. Un chirurgien? Vous avez une idée de qui il peut s'agir? Cela ne vous surprendra pas d'apprendre qu'il s'agissait en fait d'Angus Mitchell. En fait, c'est vous qui m'avez apporté la réponse lorsque vous m'avez expliqué qu'il était médecin. Ah oui, évidemment. Je suis heureux d'avoir pu vous être utile. Mais, vous savez, en dehors de toute mon estime pour Joe et Sonia, cette histoire m'affecte tout particulièrement. Je ne vous suis pas. Que voulez-vous dire ? Le monde du sport ? Mais c'est toute ma vie. Tous ces sportifs impliqués dans cette affaire, je les fréquente, je les connais. Comment le savez-vous ? Pardon ? Oh, je vois, c'est Sonia qui vous en a parlé. Oui, voilà. Sonia m'a tout raconté. Ben tiens, j'ai rien dit là-dessus à Sonia. Et donc, avez-vous une idée du nombre d'entre eux à être actuellement sous contrat avec moi ? Je pense en avoir une vague idée. Pour l'instant, les journaux ne parlent que des corps retrouvés après l'incendie d'un laboratoire clandestin. Personne n'a encore mentionné les noms des sportifs impliqués. Mais si le scandale éclate, l'avenir de mon agence pourrait s'en trouver fortement compromis. Sans parler de celui de Sonia et du gymnase. Puis-je vous demander de faire preuve de discrétion ? J'en suis vraiment navré, mais je crois que votre avenir est déjà fortement compromis. Que voulez-vous dire ? Je n'ai pas été tout à fait honnête avec vous tout à l'heure. Je sais que vous êtes le chirurgien. Un journaliste m'a mis sur sa piste. Vous voyez qui ? Je suis certain que vous avez de bonnes intentions, mais vous vous trompez. Qu'est-ce qui vous fait penser une chose pareille ? Il doit forcément y avoir une explication. N'essayez pas de le nier. Mitchell vous a donné ses pilules. Les gens voient un fauteuil roulant et ils se disent « Le pauvre, il ne peut pas marcher ?» Si seulement il n'y avait que ça. Certaines nuits, il m'est totalement impossible de dormir à cause de la douleur. Cela n'explique pas pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous connaissiez ces substances. Je sais que vous êtes un excellent tireur, et je pense que vous avez tiré sur vous dernier à l'hôpital. Non mais vous m'avez vu, Black Sad ? Comment aurais-je pu faire une chose pareille ? C'est moi qui vous ai recruté pour résoudre cette maudite affaire. Vous imaginez-vous vraiment qu'un assassin agirait de la sorte ? Vous l'avez fait uniquement parce que vous pensiez que je finirais par accuser Bobby Yale avant de lâcher l'affaire. Mais à la seconde où j'ai compris que quelque chose clochait, vous avez envoyé Lee et Jill pour m'intimider. Mais comme cela n'a pas marché, vous avez donné l'ordre à Lee de me tuer. Vous êtes du genre à ne plus desserrer la mâchoire une fois votre proie attrapée, n'est-ce pas ?
Tout dépend de la proie. Mettez-vous un instant à ma place. Vous êtes un joueur de football prometteur qui vient de rentrer de la guerre, mais vous n'êtes encore personne. L'homme que vous avez sauvé vous ouvre sa maison. Et cet homme est encore bouleversé par le décès de sa femme. Il passe ses journées dans son gymnase. Et ses nuits à boire jusqu'à en tomber. Du coup, vous vous retrouvez quasiment à élever sa fille. Vous lui offrez son premier boulier. Vous l'encouragez à faire ses études. Vous la réconfortez. Lorsque sa mère et son père lui manquent. À côté de cela, votre carrière sportive décolle enfin. La vie est belle. Jusqu'au jour où, sans prévenir, un accident vous colle dans un fauteuil roulant. Un vieil ami, Mitchell, vous annonce alors qu'il connaît quelqu'un qui pourrait vous aider, un docteur allemand. Ces substances mettent du temps à faire effet, mais elles font des miracles. Vous arrivez finalement à remarcher, petit à petit. Un peu au départ, puis plus longtemps. Mais ces substances ne sont pas données. Vous devez trouver un moyen de vous les payer, vous comprenez ? Vous avez donc décidé de lancer une agence de publicité spécialisée dans la promotion de produits par des sportifs. Et puis, il vous est venu à l'idée de leur revendre ces mêmes substances que vous preniez. Les substances leur permettaient d'exceller dans leur domaine, et vous obteniez de meilleurs contrats publicitaires. Un système très efficace. Votre premier client, Craig Spano. Son heure de gloire était derrière lui, alors. Il a servi de cobaye pour votre nouvelle opération. Mais lorsque les substances se sont avérées avoir de sérieux effets secondaires, vous l'avez laissé tomber. Craignant qu'il ne parle, vous avez tenté de le tuer. C'est pour cela qu'il a commencé à se cacher. Après cela, votre petite affaire avait le vent en poupe. Vous avez commencé à croire que vous étiez au-dessus des lois, que vous étiez intouchable. Jusqu'à ce que Joe Dunn découvre tout. Et deux jours avant sa mort, il est venu vous voir... Assez maintenant! Arrêtez! Je ne sais pas si je suis au-dessus des lois, mais je ne suis sûrement pas en dessous. Avez-vous la moindre idée du pouvoir que je détiens, du genre de personne avec qui je déjeune tous les jours? Je pourrais vous descendre, ici même, et il ne se produirait rien. Avec le pistolet que vous gardez dans votre tiroir, je crains bien que non. Prévoyant que mes soupçons seraient sans doute confirmés, j'ai pris la précaution de le placer hors d'atteinte. À présent, si vous voulez bien m'excuser, j'ai rendez-vous avec la police. Je ne laisserai personne anéantir ma vie une nouvelle fois. Sonia et moi méritons un avenir. Vous pouvez entrer, commissaire. Timothy Wilson Thorpe, lâchez votre arme. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez droit à un... Ah!
Sonia Don. Vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre de Timothy Wilson Thorpe. Vous avez le droit de garder le silence. Si vous renoncez à ce droit, tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous. Tout ce que vous direz pourra être et sera utilisé contre vous devant une cour de justice. Vous avez droit à un avocat avant de parler à la police. Et d'avoir recours à lui pour tout interrogatoire présent et futur. Après tout ce qui s'était passé, le match était bien la dernière des choses qui puissent m'intéresser. Yale avait-il pris des substances à mon combat? Stone l'avait-il laissé gagner? J'avais fait tout ce qui était en mon pouvoir pour que les choses aillent dans le même sens que mon compas moral. Pour ce qui était de savoir si quelqu'un m'aurait écouté, c'était une autre histoire. Après tout, quoi qu'on nous dise, nos actions ne déterminent pas toujours notre avenir. Mon compas moral. Ça fait bien longtemps que j'en ai perdu l'aiguille. Et à vrai dire, je ne sais même pas quoi penser de ma prestation sur cette affaire. Avais-je la conscience tranquille? Ferais-je les mêmes choix si j'avais l'occasion de recommencer ?